Eh oui, Moyen, va falloir qu'il résiste parce que Van de Hamersch, il est déchaîné. Il tente de faire l'extérieur. Les voitures sont côte à côte. Allez, Xavier Van de Hamersch qui profite d'un retardataire pour prendre la première place. C'est exactement ce qui était arrivé à Garrel. Et ce qui était en tête et qui, sur les dépassements de retardataire, s'est fait piéger. C'est ce qui vient de se passer pour Wim Moonen qui abandonne donc sa première place. Et là, c'est Van de Hamersch qui a pris les commandes.